Une note déchirée flotte au bord du marécage. Elle a l'air récente. Regarder le coucher du soleil me donne envie de pleurer. Je n'ai nulle part où aller. Il n'y aurait personne si je rentrais à la maison. Tout le monde serait là, mais personne n'y serait. Je le sais maintenant. C'est pour cela que je suis allé sur la montagne. Ma grand-mère me disait toujours de ne jamais aller sur la montagne, au coucher du soleil, mais mes pieds m'y m'ont mené. Je poursuivais le soleil, et il devenait de plus en plus gros. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ressentis le besoin d'écrire quelque chose, alors je griffonne ces quelques mots. Je vais aller dans l'eau. Je devais écrire cela d'abord. Je devais écrire quelque chose. Que devrais-je écrire d'autre? Elle m'appelle, je dois y aller, avant que le soleil ne se couche. La taille de ce lieu m'époustoufle. Hein. Je pense que je vais arrêter d'explorer. Je vais arrêter d'explorer, je vais revenir sur mes pas. Très étrange. Des poupées de paille ont été clouées sur le gros arbre. D'accord, c'est ça. Qu'on entend les coups de marteau. Je pense que je pourrais potentiellement revenir sur mes pas en passant par ici. Je suis désolé, je vais regarder la carte toutes les deux secondes, hein, mais c'est juste qu'il y a tellement d'embranchements et je sais pas du tout où ces embranchements mènent, donc c'est assez compliqué en fait. Donc ok. Bon sang, mais c'est imprécis, c'est... Je me répète, mais... Comment ne pas se perdre là-dedans, quoi? Bon là j'imagine que si je prends la prochaine à gauche. Bon, ne pas... note à moi-même, ne pas passer par là quand il y a des esprits qui nous suivent. Parce que là avec la vitesse à laquelle elle va... Et on est de retour ici, d'accord. Attendez, wait, c'est quoi ça? C'est pas de la pellicule, ça c'est une note? Il y a un bout de papier par terre, on dirait qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. Lettre de suicide? J'aime cet endroit, je peux mourir seul ici. Il n'y a personne pour m'arrêter. Je peux y aller en douceur. Une mort paisible, digne. La vie n'est que misère et souffrance, j'en ai assez. Il me montre le chemin, ok. Alors je pense que je vais pouvoir prendre ce petit chemin là, il doit y avoir un petit truc là-bas au bout. Bon c'est là, je pense que je vais pas continuer, là je vois qu'il y a un chemin qui descend là.
Je sais pas si ça vaut le coup d'aller plus loin. Je peux éventuellement explorer le petit bouquet là. Je vois qu'il y a un autre chemin qui descend ici, là encore, là. C'est là. Il y a un truc là, voilà. Une pierre miroitante. Ah non, je peux en avoir... Une... Ok. Ah mais je peux en prendre plusieurs. Je savais pas. Attendez, wait. Ah mais si, je peux en avoir plusieurs. Mais attendez, c'est quoi cette quantité atroce de... Le truc que je ramasse là, ça m'inquiète un peu. Bon, allez, demi-tour, on redescend. Attendez, je vais dans le bon sens là. Oui. Là. Voilà, prochaine à droite, on tente. On va voir ce qu'il y a par ici. Je suis sacrément... Ouais. Je suis très dérangé par la quantité de choses que je trouve. Putain, j'ai bien envie d'aller explorer ailleurs, mais je pense... Non, allez, je vais retourner sur mes pas, là. C'est bon. Wait. Comment je remonte? Ok. Je tends un œil à cet Odell. Je pense qu'il y a... Ouais, je pense que ouais, j'ai fait à peu près le tour. Hein. J'aurais pu continuer. Bon, là, je pouvais pas y aller. Il y a juste... Ouais, il y a un passage là. Un passage. Eh ben, c'est tout. Attendez, wait. Non, un autre là, ici. Qui descend. Voilà, je le ferai peut-être après. On va voir où la suite du jeu m'emmène. Hein. D'innombrables poupées sont alignées autour de l'autel. Cet autel avait peut-être recours aux poupées lors de cérémonies. On dirait que cela fait un moment qu'elles sont dehors exposées aux éléments. D'innombrables poupées, ouais, ok, d'accord. Arbore un sourire vide. La porte est fermée, on dirait que Fuyuhi n'est pas entré dans l'hôtel. Cela dit, qu'est-ce que c'est que ça? Que? Ramasser? Ah, j'avais pas vu la note. Une page de cahier par terre. Note de Fuyuhi 3. Haruka et moi sommes proches depuis la maternelle. Nous avions chanté une chanson ensemble lors de la cérémonie de remise des diplômes. Elle s'appelait la chanson des souvenirs. Haruka et moi avions chanté les yeux dans les yeux. Je n'oublierai jamais ce moment. Je repense souvent à ces moments dernièrement. C'était les meilleurs de ma vie. Il me suffit de fredonner la chanson pour avoir les larmes aux yeux. Elle va m'emmener où là?
J'en sais rien, on va voir. On verra. Mais ça coûte la peau du derche. Effectivement, 70 000, 50, 80, 40, ouais. Je me suis dit 30 000, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Mes fesses, ouais. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Je comprends mieux. Alors je sais plus comment on utilise ça. De toute façon j'en ai pas besoin pour le moment donc. Ce serait bien que j'apprenne à m'en servir. Par contre cela dit j'ai pas d'énergie spirituelle hein, j'ai l'impression. Non ça a pas l'air. Ou alors à moins qu'il faille que j'ai un fantôme dans le. Dans le réticule. Dans le viseur. M'emmène où là? Par là? Avant. On va faire autre chose. On va continuer d'explorer. Parce que pourquoi pas? Ici. Ah, c'est une autre zone. Wait. Quelque chose est passé par là, visiblement, vu la gueule de l'herbe. Une note effacée trouvée dans les fourrés. Ça ira très bien ici, personne ne me trouvera. Ici. Ce sera un endroit rien que pour moi. Je pourrai y fondre goutte par goutte. Comme l'eau, je me mêlerai à la terre. Je ne serai plus moi-même. Je ne ferai qu'un avec la nature. Est-ce que je rêvais à l'instant? Une femme vêtue de blanc me regardait. Elle ressemblait à ces prêtresses dont j'ai entendu parler. Je n'avais pas la force de bouger, mais elle continuait à me regarder. Elle semblait inoffensive. Je suis venu ici parce que je n'aime pas qu'on me regarde. On me regarde toujours de haut. Me savoir observer lors de mes derniers instants m'apportait un étrange réconfort. Je suis très heureux d'être venu ici. Oh, ta race. Change de pellicule, voilà, on va repartir sur le 14. Charge, charge. Pan dans les dents. Ok. Est-ce que je vais la retrouver? Alors attendez, elle est de l'autre côté. On va faire le tour. Faire le tour et ça me permettra d'aller voir ce qu'il y a là-bas. En fait, non, elle est exactement là où je voulais aller, d'accord.
たんですか。でもいるんです。早く探さないと。私が探します。一緒に帰りましょう。D'accord. Oh, tu fais quoi là? Tu restes avec moi. Mais avant toute chose, je sais pas s'ils vont me laisser explorer librement la forêt là. Maintenant qu'elle est avec moi. Elle me suit au moins, elle fait quoi? Oui, elle me suit, c'est bon. Tiens, on va prendre une petite photo. D'accord, donc là on change de zone. Enfin, je pense, clairement, ouais. Faites voir la carte à quoi elle ressemble. Ouais, on change de zone, ok. Donc là. Putain, faut revenir là-bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Et il y avait quoi ici? Je ne sais plus. Ah non, mais c'était l'hôtel là. D'accord. Hop, ouais, allez. Flippant, hein. On va aller tout droit. On va éviter l'eau autant que possible, hein. Parce que j'ai cru comprendre qu'il valait mieux éviter d'être trempé. Attendez, elle fait quoi là? Elle est derrière, elle me suit là. Oh putain, qu'est-ce qu'elle branle. T'as quoi au pied là? Reste pas dans le chemin. Je crois que je l'ai eu. Ah non, je pensais. Ah là, je l'ai eu. Putain, le coup de flip qu'elle m'a fait. Moi, je voulais regarder à la base les pompes qu'elle avait, parce que je me dis, pour qu'elle marche à 2 à l'heure, elle est pas en sandales, ça va. Oh, mon Dieu. Bon, allez, on prend... allez, on avance. Oh, bordel la cul de babouin! Ah! Ah!
Oups. Merde. Putain, je me suis planté là. Ah. Hop, je prends tout ça. Elle est où? Elle est où? Elle est où? SCTP, elle est là. Je vais te voir en premier. Ah putain. Ah non, ils sont les deux là, ok. Petite photo de groupe. Vous allez où les gars? Ils reviennent, ils font quoi? Ils... Ah, je l'ai loupé. À toi. Je perds beaucoup de... pellicules, là. Hein. Eh ben... Il a fait... Il va falloir que je retrouve de la pellicule, déjà, moi. Bon, je suis pas... Je suis pas non plus... C'est pas la dèche, quoi, hein, mais... Ils vont me dire faut aller à droite. Ah non, bah, attendez, où est-ce qu'il me dit qu'il faut aller, là? Ah oui, non, c'est tout droit, ok. Alors, elle me suit toujours, l'autre? Oh, putain. On a vraiment envie de sortir d'ici, hein. What? Ok, j'arrive. Ah mais c'est du 61. Holy shit. Mais putain, il pourrait, il pourrait montrer que c'est du 61. On le voit même pas avant de l'avoir ramassé. Pff, ils font chier, hein. J'en ai loupé plein, là. Putain. Oh putain. Oh bordel. Ah. 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 Pan dans la gueule. Tiens, photo de groupe. J'en ai eu deux sur les trois. Qu'est-ce qu'il branle? Un peu de verticalité, c'est cool. Quand tu veux. Allez. Ok. Bon, maintenant qu'elle s'est barrée... En fait, j'aurais dû essayer de ramasser tous les trucs. Oh, putain, niquer ta mère, bon. Tant pis. Mais ça, là, par contre, ils s'est abusé, quoi. Putain, ils auraient pu leur donner une visu différente. Ah oui, tu veux rentrer là-dedans. Si tu le dis. Et elle reste là, non? Elle fait quoi? Elle me suit, ok.
Je me disais bien que ce truc-là était pas là avant. Évasion, elle permet de détecter les menaces que vous pouvez esquiver. Oh putain, il pleut! Oh bordel! Et le détecteur d'humidité qui se remplit à fond. Je me suis dit, faut pas qu'il pleuve, sinon c'est la merde. Bah tu m'étonnes, là c'est bon, là c'est fait. Ok. J'ai vu un truc là-bas. C'est dans quelle direction? J'imagine que c'est par là. Fuck. Avance! Ah! Avance, 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 avance. Quoi? Mais c'est quoi ces conneries là? Non, pas le 61, 14. On va tenter un truc. On va tenter... une eau sacrée. Ah oui, oh d'accord. Ah non, c'est pas une eau sacrée que je voulais tenter, c'était une herbe médicinale. Oh putain, quel trou de balle. J'ai confondu, c'est pas grave. Je voulais voir combien ça soignait, mais... C'est le couteau qu'il faut que je vise ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, je suis mort! Thank you.
Ok. Ah, je l'ai eu. Je crois. Ah non, je l'avais pas vu, je pensais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouh, celui-là est proche. Tiens. Ah non, je l'ai eu, c'est bon. Yes. En touchant un esprit affaibli, vous déclenchez un regard fatal et vous verrez ses souvenirs. Touchez l'esprit vaincu. Les attaques des esprits peuvent vous souiller par le biais des eaux noires. Si cela arrive, votre énergie diminuera continuellement. Utilisez une graisse pure ou battez tous les esprits pour enlever la souillure. Boum! Tu fais quoi là? Ah, j'ai pas pu esquiver, d'accord. C'est ça la souillure là? Bah putain, ouais, quand je vois ce que ça envoie comme. Alors c'est brasse pure, c'est ça? Ok, herbe médicinale, ça soigne de quoi? Ok, pas grand chose, très bien. Ah merde! Tiens! Boum! Elle va se téléporter. Ah non, je l'ai eu. Cette prêtresse, c'est elle qui a emmené Fuyuhi ici et qui l'a forcé. C'est trop dangereux, je ne peux pas rester ici, il va falloir que je rentre. Damn right. Let's go home. Fast.
Ok, bon, on se casse. Alors, par où? Tout droit. Ouais, ok. Bon, je pense qu'on va... On va se faire agresser sur le chemin. Alors qu'elle était à la recherche de son ami, Fuyuhi Himino se suicida. Ayant assisté aux derniers instants de Fuyuhi, Yuri sait qu'elle n'était pas seule au moment de mourir. Qui était cette autre femme qui s'est tuée de la même façon, sans parler de la mystérieuse prêtresse trempée par la pluie? Yuri a réussi à trouver la caméra obscura d'Hisoka, ainsi qu'une amulette qu'Hisoka aimait porter. Pour l'instant, elle doit retourner seule à la boutique d'antiquités. Mieux! Bien mieux déjà là. C'est beaucoup mieux. Oh, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous avoue quoi, il commence à être un peu tard. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est quoi ces points là que je vois? Point pour objet. Point gagné. Temps écoulé. Score 95 000. Ok, bon, ça c'est le score, on s'en fout. C'est bizarre parce que ça fait. Ça marque point. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a des points que je peux utiliser pour les objets, pour acheter des trucs ou augmenter mon appareil photo, mais également des points de score. Genre, c'est quoi? C'est genre les trucs en bas, la pierre miroitante. Ah non, c'est 10 000 points, je crois que c'était 100 000, je me disais, mais ça fait bien beaucoup. Est-ce que le score se base sur les objets que je trouve? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Ce qui est bien, c'est que je peux changer la difficulté. Bon, on commence le chapitre. Ah, mais ça m'enlève des... Je comprends pas du tout ce que ça fait, ça. Je peux acheter des objets. Attendez, j'ai 100 000 points là? Ah. D'accord, donc oui, effectivement, donc le score de chapitre détermine un nombre de points que je gagne également à la fin du chapitre. Très bien. D'assister à des phénomènes spirituels, ça veut dire quoi ça? Posséder 0, bien sûr que si, j'avais du 61. Je sais pas ce que c'est que ça. Est-ce que c'est disponible juste pour le chapitre ou je sais pas trop. Photographie funéraire. Ren Ojo, un écrivain est hanté par un rêve récurrent dans lequel il tue une jeune fille au cours d'un rituel. Il reçoit un album de photographies funéraires retrouvé à sa demande par Hisoka. En voyant une des photos, Ren reconnaît la scène de ses rêves. Impatient de se plonger plus en profondeur dans ce mystère, Ren se rend à l'auberge abandonnée, en personne cette fois-ci, accompagné de son assistante, Rui Kagamiya.
綺麗だけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ。こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？ああ。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか？場所は聞いてある。ああ。なら遮影器を持っていきますか？まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。あそこは良くない場所だと聞いていますから。ああ。Les caméras obscures se trouvent sur le bureau. Hisoka l'a réexpédié après l'avoir évalué pour moi. Je devrais aussi emporter ce rapport sur le déchiffrage des ombres. Il pourrait s'avérer utile. Oh, il se plaint toujours du fait que je laisse traîner mes affaires sur le canapé. Bon, allez. Rui, qui est d'ailleurs fort mignonne. Un peu plate, mais très mignonne, je dois bien avouer. Bon. Je pourrais lire et explorer un petit peu cette pièce-là, mais comme on peut pas sauvegarder manuellement, je pense pas que le jeu sauvegarde après chaque document que je lise, et comme j'ai pas envie de refaire le truc jusqu'à la prochaine fois, et comme je sais pas combien de temps ça va me prendre de faire ça, je pense que je vais m'arrêter maintenant. En vrai, là, si j'avais pas autre chose à faire, j'aurais pu continuer, je pense. Hein. J'aurais aimé continuer, hein. Je vous avoue, là, je commence à être un petit peu pris dans le truc, et j'ai peur que, en fait, le fait de m'arrêter maintenant et de reprendre, genre, dans, je sais pas, moi, une semaine ou j'en sais rien, ça me fasse perdre le fil un petit peu de ce qui était en cours. Mais je pense qu'il vaut mieux s'arrêter quand même au début du chapitre, hein. C'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de s'arrêter en cours. Ok, bon. C'est marrant parce que ces indices, normalement, c'est les indices qui sont utilisés pour dire « Attendez, il y a des ennemis dans ce coin-là » ou alors « T'es en train de te faire toucher par la gauche dans les FPS, ce genre de truc. » Il y a un type qui est en train de te tirer dessus à gauche ou à droite, et là, c'est pour les objets, il y en a un peu partout, c'est ultra bizarre, ça fait bizarre. Bon, écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur ce projet Zéro? Déjà, la première chose qui me... Enfin, les premières choses qui me sautent à la gueule, il y en a deux. La première, c'est ça fait du bien de se remettre dans cet univers. L'ambiance, les sons, c'est des trucs qui sont vraiment très propres à Projet Zéro. Le style de bruitage aussi derrière, hein, les musiques d'ambiance quand un fantôme se montre, quand on a des scènes un petit peu avec du suspense comme ça. Bon, ça me fait rien, hein, ça me fait plus peur, hein, avec le temps. Hein, c'est quelque chose qui est un peu éculé et qui est là depuis très longtemps, depuis les premiers épisodes. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, enfin, qui ne me fait plus peur, moi, personnellement, hein, depuis bien longtemps. Mais on ressent quand même la patte Projet Zéro. Et la deuxième chose, moi, qui me saute à la gueule, c'est qu'en fait, on a affaire à un jeu qui est plus joli que les précédents. Hein. Je veux dire, là, il n'y a qu'à voir la quantité de détails sur les livres. On n'avait jamais vu ça dans un Projet Zéro avant. Et le fait que je sois pas sur Wii U, mais sur PC et en 4K, je pense que ça joue pour beaucoup. Ça permet d'avoir un jeu qui est très fin, et c'est très très appréciable de voir un jeu, même si la qualité graphique est pas exceptionnelle, hein, parce que le jeu a quand même 6 ans, et puis les Projets Zéro ont jamais été connus pour être irréprochables graphiquement, sauf peut-être ceux sur PS2 qui étaient cool. Après, comme on était passé sur console Nintendo, où le hardware était moins puissant, forcément on avait des jeux qui étaient moins jolis par rapport à ce qui se faisait sur les autres consoles. Mais voilà, c'est le jeu est pas réprochable graphiquement, mais il est quand même assez plaisant, et puis surtout il est fin, quoi. Il est fin parce que voilà, il est pas dans une résolution un peu bâtarde sur Wii U, là on l'a en 4K, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir de se mettre là-dessus. Sinon, il y a un truc que je remarque qui m'a perdu, c'est la taille de la carte et le nombre d'objets récupérés. Alors moi, je pensais qu'il y avait que du type 14 partout, mais en fait j'aurais dû essayer de récupérer chaque objet pour voir s'ils voulaient me la récupérer ou quoi. Je pense que ça aurait été utile, puisque j'aurais pu trouver très certainement du type 61. Donc je sais pas du tout. D'ailleurs, attendez, qu'est-ce que j'ai sur moi là? Ah non, attendez. J'avais 9 eaux sacrées ou 10, je sais plus. Bresse pure, 3, pierre miroitante, 1. Ah non, j'ai perdu les... J'ai perdu les objets que j'avais avec avec l'autre. Ok. Et on a plein de trucs à regarder. Photo d'une mariée. Ça, ce sont les notes, mais on s'en fout, on les a déjà toutes vues.
Reine Ojo. Fuyuki. Oh là là, il y a plein de trucs à voir. On regardera ça la prochaine fois, je pense. Hein. On regardera ça la prochaine fois. 94 000 points. Alors là, je peux pas accéder à la... à la caméra, puisque je l'ai pas. Ah, et puis on peut voir même les points que ça nous a donné. D'accord. Ok, bon, écoutez. Voilà, je suis un peu perdu parce que l'environnement est très vaste. Du coup. Mais au final, bon, il est pas si vaste que ça, mais il y a beaucoup d'embranchements. Cette forêt, en fait, est assez déconcertante hein, quand on s'y aventure. J'aurais peut-être dû y passer un peu plus de temps pour essayer de récupérer les objets. C'est le seul regret que j'ai. Et l'autre chose, c'est les contrôles qui sont très très bizarres. Hein. Genre les contrôles de... les contrôles avec cette espèce de cadre qui tourne pour l'appareil photo, ça me paraît logique de cadrer l'appareil photo en le tournant un peu dans tous les sens, ouais. Du coup, mais le problème, c'est que c'est une maniabilité qui n'est pas adaptée pour, le, pour les autres consoles que la Wii U, hein, ce qui rend les contrôles un peu poussifs. Et puis même, les, la manière de se déplacer du personnage n'est pas du tout naturelle, quoi. Si je veux faire demi-tour, il faut que je fasse demi-tour comme ça manuellement et que j'appuie sur L2 pour me mettre à courir. Ce qui a pour effet de retourner la caméra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de... Alors, si je maintiens... Attendez, si je maintiens la touche, la caméra s'oriente et le gars se met à courir. Mais je sais pas, c'est très très étrange. Hein. C'est très étrange. Il n'y a pas de... on peut pas recentrer la caméra, en fait. Et là, pouf, ça recentre le personnage. Enfin, je sais pas, c'est... Les contrôles sont très bizarres. Hein. Toujours, la manière de se déplacer. C'est peut-être... plus... Attendez, on peut pas strafer aussi? Je sais plus comment on faisait. C'était comme ça, je crois, on pouvait. Hein. Ouais. Je préférerais plus qu'on soit en mode comme ça, en mode TPS, plutôt qu'en mode un peu bizarre comme ça. Bref. Ouais, à part les contrôles, c'est vraiment ce qui est le seul point négatif que j'ai à faire du jeu pour le moment. Hein. Sinon, à part ça, pour le reste, ça a l'air intéressant. La structure a l'air un peu différente du coup des autres projets Zéro. Puis on verra bien comment ça évolue par la suite. Voilà, merci à toutes et à tous de regarder cette première session sur Projet Zéro, la prêtresse des eaux noires. J'espère que ça vous aura plu, comme moi ça m'a plu de me replonger dans cet univers. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!